Carissimi tutti, sawa bona. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rondo. La vidéo d'aujourd'hui a été sponsorisée par Marc depuis Toulouse. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question, en général à vous tous, mais plus spécifiquement à ceux d'entre vous qui sont sur le point de franchir le grand pas, comme on dit d'habitude, c'est-à-dire de se marier. Êtes-vous sûr de ce que vous faites? Êtes-vous en train de vous marier pour faire plaisir à vos parents ou à vos amis? Ou encore, comme ça arrive très souvent, ou comme c'est le cas la plupart du temps, à votre petite amie? Êtes-vous bien sûr de ce que vous faites? Je sais qu'en réalité, en tant qu'être humain, lorsqu'il s'agit de prendre de si grandes décisions, on a toujours des doutes. Et dans le cas d'espèce, lorsqu'une personne, lorsqu'un homme a décidé de se marier, il prend la peine de soupeser les pour et les contre. Mais si vous y regardez bien, vous verrez que la plupart du temps, en fait, les mariages n'ont lieu que sous et par la pression des femmes. Du coup, même quand l'homme il n'est pas vraiment certain de son coup, même quand en fait il sent au fond de lui qu'il ferait mieux peut-être d'attendre encore, il finit par rationaliser, par trouver de belles excuses. Non, après tout, c'est quelque chose à faire, c'est le destin, la société l'impose. Il faut bien que je fasse des enfants. Comme si pour faire des enfants, il faudrait absolument se marier. Eh bien, malheureusement, les gars, je vais devoir vous révéler des choses que probablement vos parents, vos papas ne vous ont jamais dit. Et que sans aucun doute, vos amis ne vous diront pas. Vos amis mariés, bien entendu. Si jamais vous rencontrez un jour un homme marié, c'est-à-dire ou un ami marié qui ait le courage d'être sincère et de vous dire ce qu'il vit en tant qu'homme marié, tirez-lui le chapeau. Parce que très peu d'hommes trouvent le courage de le faire. Très peu d'hommes mariés. La plupart du temps, ils essayent plutôt de convaincre leurs amis, leur entourage, à prendre femme le plus tôt possible. Question de trouver des compagnons de misère, quoi. Commençons un peu par l'idée, peut-être même le préjugé, le rêve qu'un jeune homme a lorsqu'il est sur le point de se marier. Il se dit que une fois que ce sera sa femme, il aura toute la baise du monde. Il est certain qu'il ne devra plus se casser la tête à courir après les femmes, peut-être à visiter des sites pornographiques, parce que de toute façon, il aura à portée de main sa femme. Donc, il aura des orgasmes à volonté. Grossière erreur, les gars. C'est exactement à partir du moment que vous vous mariez que vous aurez moins de possibilités de faire l'amour. Pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça parce que pour les femmes, ce qui compte le plus, c'est de pécher quelqu'un, de réussir à trouver un bon parti. Et tant que vous n'êtes pas marié, tant que vous êtes juste des petits amis comme ça, si vous êtes un parti acceptable, elles feront tout. Elles vous donneront autant de sexe que vous voulez. Elles vous feront tout ce que vous leur demanderez. Mais ça, en fait, c'est un piège. Lorsqu'elles consentent à vous, à toutes les positions, à toutes vos requêtes, quelquefois bizarre, peut-être même perverse, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait qu'à force de vous satisfaire, vous finirez par devenir accro. Et une fois devenu accro, il n'y a plus rien à faire. Vous l'épousez. Et puis, propre, ceinture de chasteté. La pire des choses arrive quand justement, une fois vous êtes marié, non seulement elle vous délaisse, mais elle finit par vous mépriser. Et peut-être vous trompe même.
Et parlant justement de mépris, de tromperie, parce qu'en fait, je suis de l'idée que pour qu'une femme en arrive à tromper son mari, il faut auparavant qu'elle ait commencé à le mépriser. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que c'est toujours le cas. J'ai l'habitude de penser que, et ça c'est un grand paradoxe de l'histoire, les femmes même qui, dans l'histoire de l'humanité, les femmes qui auraient vraiment mérité toute l'adulation des hommes, tous les soins, toute leur attention, ce sont les femmes qui ont vécu avant l'avènement du féminisme. Sauf que justement, elles n'avaient pas toute cette attention-là, et c'est ça le paradoxe. Au contraire, elles étaient même maltraitées et presque rien. Par contre, aujourd'hui, dans cette époque-ci, les femmes sont devenues des monstres horribles qui, bizarrement, sont plutôt adorées. Adorées d'un côté parce que, bon, elles font beaucoup de bruit et ceci. De toute façon, vous savez, toute la panoplie du féminisme. Mais à côté de ça, elles ont, avec le temps, fini par émasculer les hommes qui deviennent presque des femmes du jour au lendemain. Mais revenons au cas du mariage. Lorsqu'elle vous regarde dans les yeux et qu'elle vous dit qu'elle vous aime, elle le dit avec de la douceur, de la tendresse. Vous pouvez presque sentir les vibrations qui proviennent du souffle qui s'échappe de ses narines. En fait, lorsqu'elle vous dit qu'elle vous aime en vous regardant dans les yeux, elle ne fait que reproduire l'amour qu'elle voit dans vos yeux. En fait, elle ne fait qu'exprimer l'amour qu'elle voit dans vos yeux à vous. Ce n'est pas l'amour qui vient d'elle. Pourquoi? Parce que les femmes ne peuvent pas aimer. Si vous avez eu à écouter certaines de mes vidéos précédentes, vous saurez que les femmes sont incapables d'amour. Non pas parce que c'est des êtres méchants ou cruels ou je sais pas quoi, bon, quelquefois c'est le cas, mais seulement parce que, exactement parce qu'elles sont incapables d'amour, qu'elles sont des femmes. Pour être quand même un peu flexible, ce qu'on pourrait dire, c'est que les femmes sont incapables d'un amour spirituel, c'est-à-dire d'un amour complètement désintéressé, de cet amour que seuls les hommes sont capables d'éprouver. Ceci étant, ce qu'elle vous dit avant le mariage est forcément du mensonge, c'est de la tromperie. Une fois que vous êtes marié, vous êtes foutu, mon gars. Une première année, elle essaiera encore de maintenir le rythme, une deuxième, mais là, juste pour ne pas vous donner l'impression qu'en réalité, ou mieux encore, pour que vous ne vous rendiez pas compte qu'en réalité, depuis le départ, c'était une supercherie. C'était une tromperie. Pourquoi croyez-vous que dans 70% des divorces, c'est toujours les femmes qui lancent les procédures? Je sais parfaitement qu'il y a des cas où certaines femmes vivent des violences vraiment terribles. Et là, elles seraient vraiment justifiées à demander le divorce. Mais allez donc voir combien de femmes demandent le divorce parce qu'elles ont subi des violences. C'est une petite minorité. Toutes les autres, tout le reste, elles désirent divorcer une fois qu'elles ont obtenu ce qu'elles veulent. Et ça, c'est même encore plus grave dans le monde occidental. Les femmes ont un projet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, premièrement, trouver un bon parti. Et là, c'est commun à toutes les femmes sur la planète, sur cette planète. Et puis, particulièrement en Occident, donc après avoir trouvé un bon parti, faire un enfant, question de répondre quand même à un impératif biologique, et ensuite divorcer. Divorcer pourquoi? C'est très simple. Pratiquement toutes les lois ici sont en faveur de la femme, parce qu'on prétend que c'est la mère de l'enfant, les enfants ont besoin de leur mère et blablabla. Du coup, elles savent qu'en cas de divorce, vous sortez de la maison et puis vous devez lui verser de l'argent, du fric. Dites-moi donc, combien de femmes seraient assez vertueuses pour résister à la tentation de céder à ça, parce que lorsque vous vous imaginez, c'est plutôt une situation quelque peu enviable. Elle regagne sa liberté, elle a satisfait son impératif biologique, c'est-à-dire celui d'avoir un enfant, et puis vous arrondissez ses fins de mois avec ce que vous lui envoyez, avec ce que le tribunal vous a imposé de lui envoyer. Et quatrièmement, elle peut encore se faire tout un tas d'autres mecs. Est-ce que vous voyez pourquoi la plupart du temps, c'est les femmes qui lancent les procédures de divorce? Parce qu'en fait, c'est ça qu'elles désirent. Vous devez savoir que les femmes n'ont aucune vertu, absolument aucune vertu. La seule vertu que vous puissiez considérer chez une femme, c'est peut-être sa virginité. Parce qu'en fait, c'est une vertu qui ne dépend pas d'elle. Rappelez-vous bien, pour ceux d'entre vous qui sont des croyants, que la Bible, en fait, recommande aux hommes de ne même pas se marier, de ne se marier que
s'ils ne trouvent pas en eux la force de rester seuls. Parce qu'en tant qu'homme, vous ne pourrez jamais avoir de la paix à côté d'une femme. C'est simplement impossible. Je précise en passant que tout ceci ne signifie pas que je suis misogyne, bien loin de là. Ce ne sont que de simples faits sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Donc je vous le demande encore, êtes-vous sûr, en particulier bien entendu à ceux, à toi qui m'écoutes, qui est sur le point de te marier, es-tu sûr de ton coup? Permets-moi de te tracer un peu quel sera le parcours. Ça c'est en supposant que tu sois un homme moyen, disons, que tu appartiennes à la classe moyenne. Elle t'aime, elle t'adore, blablabla, blablabla. Vous vous mariez, tu lui as mis l'anneau, vous faites des enfants, les 2, 3, 4, 5, quelquefois premières années, c'est peut-être magnifique. À partir de la 6e, elle commence à vous priver de sexe. Du coup, la tension monte. Quand la tension monte, vous savez, bon, entre hommes, on sait ce qui se passe lorsqu'on est privé de sexe. Deux possibilités. Soit vous cherchez, vous allez voir ailleurs, vous la trompez, et après vous vous sentez tellement, vous avez un sentiment de culpabilité si fort que vous avouez et elle divorce. Soit vous finissez par être quelque peu violent, un temps soit peu violent, donc rien de grave, mais assez quand même pour qu'elle puisse divorcer quand même. Une fois que c'est fait, en fait j'ai même sauté une étape qui quelquefois me fait presque verser des larmes. Ce moment où votre femme vous dit qu'elle ne vous aime plus, qu'elle a cessé de vous aimer. Arrêtons-nous même là, sur ce point-là. Dites-moi, est-ce donc possible de cesser d'aimer quelqu'un qu'on a auparavant aimé? Non, mes chers, non. En fait, les femmes le disent toujours, pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'elles ont cessé d'aimer. Elles vous déclarent en fait qu'elles ne vous ont jamais aimé. Les hommes, eux, lorsqu'ils aiment une femme, ils l'aiment pour toujours. Essayez de repenser aux femmes que vous avez aimées dans votre vie. C'est-à-dire depuis le moment où vous avez découvert ce qui pourrait se passer entre un homme et une femme. Si vous êtes sincère, vous verrez que ce sentiment est encore là. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'y avez pas pensé, mais en fait ce sentiment est encore là. Par contre, chez les femmes, ce n'est absolument pas le cas. Vous savez très bien que lorsqu'une femme a décidé de vous quitter, elle n'a pas besoin de 2-3 jours pour vous oublier complètement, pour faire table rase dans son cœur et trouver un autre homme, bien entendu. Les hommes prennent toujours beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que leur amour est vrai. C'est un amour spirituel. L'amour des femmes est complètement matériel. Déjà qu'une femme n'éprouverait même pas la moindre affection à votre égard si elle ne voit pas en vous quelque chose qu'elle désire, quelque chose qu'elle voudrait obtenir. Que ce soit le statut, que ce soit du fric, que ce soit bon, peut-être de la beauté ou je sais pas quoi. Mais il y a toujours quelque chose qu'elle voudrait obtenir. Donc mon cher ami, es-tu sûr de vouloir te marier? Es-tu sûr de vouloir faire cela? Tu te marieras, ensuite elle cessera de t'aimer à un certain moment. Et si par malheur, tu devais vivre une situation grave, peut-être une situation financière grave, elle te quittera. Si tu ne l'aduleras pas, elle te quittera. Si tu n'accepteras pas d'obtempérer à ses moindres caprices, elle te quittera. Si tu n'exauceras pas tous ses vœux, toutes ses requêtes, elle te quittera. Si tu ne lui prêteras pas toute ton attention, ce qui est impossible puisque de toute façon vous devez travailler, elle te quittera. Si tu ne lui donneras pas les orgasmes rêvés, les orgasmes dont elle rêve depuis qu'elle est adolescente, elle te quittera. Donc à cette liste, tu peux ajouter ce que tu veux. Somme toute, à considérer la chose de façon rationnelle, tu concluras avec moi qu'aujourd'hui, à cause de ce que les femmes sont devenues, il est vraiment peu probable, très peu probable, que votre union fonctionne. Pourquoi croirais-tu que tu serais cette exception-là qui aurait trouvé là, je sais pas si je dois appeler ça la princesse charmante, cette femme-là qui est vertueuse en tout et pour tout, capable de vous aimer, capable de vous assister, de vous écouter, d'être là, d'être patiente, d'être tendre, d'être une épaule pour vous. Non, malheureusement, les femmes qui avaient ces qualités, je doute fort qu'elles existent encore. À la limite, on a encore, bon, les femmes musulmanes qui, elles au moins, comprennent la vertu qu'il y a à protéger son corps ou bien à réserver ses charmes pour l'homme qu'on a choisi. C'est déjà ça de gagner.
Donc, avant que de prendre cet anneau, de te présenter à l'hôtel, pense-y encore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère un avant-goût. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais si c'est la troisième ou la quatrième ou plus, vous avez le devoir de vous abonner et de liker. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rondo. Sawa Bona.